Bonjour les Breaky Boys et bienvenue à vous dans ces infos rapidos, c'est votre bulletin très rapide de la région de Norvinsk. Ce matin, une lettre est arrivée sur les réseaux de BSG et cette dernière se traduit par « Information à communiquer à vos combattants. En raison de la contamination par la toxine de la fiole, apportée par le SCAV provenant du laboratoire fermé, les raids semblent maintenant être un simulateur de combat dans un environnement encore plus extrême. » En gardant cela à l'esprit, je recommande de rester 2 ou 3 jours dans la planque en exerçant le corps et l'esprit. D'après mes informations, la toxine n'est pas dangereuse mais elle peut augmenter en tout cas les risques encourus. Je pense que c'est une sorte de toxoplasmose, j'ai envoyé les échantillons dans tous les cas au docteur Sapulski. Entre nous deux, si le patient zéro survit, il saura peut-être d'ailleurs comment entrer dans le labo. Signé Elvira. Elvira c'est la toubib. Suite à cette lettre, l'événement du week-end est terminé, fini le double dégât, voilà. Vous savez, je pense ce que c'est du coup cet événement du week-end, il est terminé. C'est un événement avec un très long week-end, on est déjà mercredi après-midi. Logiquement, dans 2 ou 3 jours, nous devrions avoir un nouvel événement. Donc ouais, on le sait, c'est vendredi, hein, ça arrive tout le temps comme ça pour le week-end. Il se peut que ce soit, et je dis bien il se peut, hein, que ce soit le laboratoire qui soit ouvert et gratuit en fait. Vu que Rizzi en fait est le patient zéro et qui connaît donc l'entrée du labo. Voilà, 2-3 jours de pause, et du coup, un nouvel événement normalement qui arrivera. Et logiquement, ce sera, avec de grandes chances bien sûr, hein, que ce soit le labo qui s'ouvre avec les raiders qui sortent aussi après par la suite. Mais dans tous les cas, restez informés de l'actualité de la région de Norvinsk en suivant mes Tarkov News bien sûr. Pensez à vous abonner, et puis s'il y a du nouveau aussi, regardez les commentaires aussi, c'est très important. Donc voilà, c'était les infos rapido, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite de jouer dans la bonne humeur. Ne vous prenez pas la tête, même si vous prenez des têtes. Allez à plus, ciao ciao, et je suis en stream aussi, passez me voir.